Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de euh, l'enceinte Logitech Z620. Voilà, donc c'est celles qui sont là avec les deux Twitter et elles qui sont basse en bas. Je vais vous montrer ça. Et c'est justement une petite vidéo de test pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Bon, ça fait quand même quelques temps que je les ai. Voilà. Donc euh, celle-là date de 4 ans ou 5 ans à peu près. Euh, ça fait à peu près ce temps-là que je les ai justement. Et euh, depuis, bah, je fonctionne qu'avec ça, notamment pour faire, euh, bah, pour écouter euh, de la musique, euh, regarder des films, la télé est branchée dessus aussi. Voilà, parce que ça fait home cinéma en même temps. Et pour créer de la musique, ce qui est bien, c'est que justement, je l'utilise aussi. Alors, on va regarder déjà les Twitter. Donc là, comme vous pouvez le voir, euh, c'est euh, THX qu'il y a marqué dessus, donc c'est euh, certifié. Euh, de très bonne qualité audio justement pour le cinéma et c'est ça qui est plutôt cool voilà et puis on le ressent de toute façon quand on regarde un bon film avec une bonne source sonore et bien justement on peut avoir quelque chose de sympa donc là ici on a les tweeters euh, c'est donc les aigus les médiums et si on va en dessous parce que justement le gros il est en bas alors il est posé sur des, euh, il est posé sur des boîtes à eux bon c'est un peu normal c'est pour éviter les vibrations euh, ce tweeter Enfin non ceux qui sont de base justement et délivrent énormément de puissance. Alors exactement ce que l'on a. On a alors je vais parler en RMS. Alors il y a quand on parle de décibels euh, de puissance pardon en watts, on a les watts en crête et les watts en RMS. C'est celle qui justement euh, les RMS permet de mieux comprendre euh, la puissance. Donc là je vais parler en RMS. On est en 200 watts pur RMS. Voilà donc c'est vraiment énorme pour des enceintes de PC. Euh, à pour faire un équivalent, on va dire, généralement les enceintes que l'on a euh, en salle des fêtes. Voilà. Donc une enceinte, c'est à peu près 150 watts, multiplié par 2, 300 watts, et après il faut rajouter, rajouter les caissons. Mais ça, c'est vraiment euh, ces deux enceintes de salle des fêtes. C'est vraiment pour une salle des fêtes. Et là, on se retrouve avec juste 100 euh, watts RMS en moins. C'est tout, pas beaucoup plus. Donc c'est vraiment très très puissant, et justement, quand on le met très fort, ça casse entre guillemets des oreilles parce que justement il y a beaucoup trop beaucoup beaucoup de puissance voire trop euh, pour un salon voilà alors ça c'est la première chose donc 200 watts RMS on a euh, 130 watts pour le caisson donc le caisson qui est en bas voilà donc lui 130 watts à lui tout seul et le reste dédié au satellite donc 70 watts voilà séparé en deux évidemment donc euh, bon stéréo évidemment ça ça va de soi il hein, n'y a pas de souci c'est pas comme les enceintes Bluetooth euh, qui sont généralement mono et puis euh, quelques-unes en stéréo. Voilà. Euh, là on est tranquille. Et c'est tout en filaire. Il n'y a pas de bluetooth, il n'y a rien. C'est vraiment que du filaire. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand on veut écouter de la musique de qualité. Et quand euh, on est euh, du MP3 ou du CD, avec ces enceintes, on voit vraiment la différence. Euh, surtout quand on passe à des CD. Donc il euh, n'y a pas de souci, hein. j'ai des lecteurs euh, sur la gauche, voilà, grâce à des platines. donc euh, de ce côté-là je suis tranquille donc quand je passe à vraiment du, du cd euh, grâce au lecteur et ben je peux vous dire qu'on le ressent vraiment euh, contrairement au mp3 que l'on met euh, généralement voilà donc là-dessus on, on ressent la différence ça c'est cool alors là ce que je vais faire c'est je vais vous mettre quelques petites musiques euh, voilà euh, quelques-unes donc euh, musique classique musique qui fait un peu boum boum entre guillemets donc un petit peu de musique électronique avec un petit peu de base comme ça on peut voir ce qu'il en est. Alors je vais aller ici directement au-dessus de la box télé. Donc ici ce que l'on peut voir c'est que on a euh, le bouton du volume ici et le bouton des basses. Donc il est neutre. Il a plus de poussière là dessus. Voilà. Donc lui il est neutre et là on est au, au milieu. Voilà. Donc on est à la moitié de la puissance. Donc si on met vraiment à fond l'ordinateur, je peux vous dire que ça va décoller la rétine. Et euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire s'il si, y a ça aussi j'en ai pas parlé. Hop, on va enlever le clavier. Cette partie-là, donc c'est l'équaliseur. Il a vraiment euh, un petit peu d'âge, il, il a quasiment 30 ans hein, quand même. Et, mais ça fonctionne très bien. Donc si on va sur la gauche, et c'est du stéréo en plus. Donc c'est pour ça que c'est split en deux. Si on va sur la gauche, on est sur les basses. Et si on va à droite, on est sur les aigus. Et, et bien évidemment, il faut essayer d'équilibrer les deux de la même manière, de façon à ce que sur nos enceintes... On soit vraiment euh, équivalent au niveau du son, que ce soit les médiums, les aigus. Bon les basses, il y a son, donc on est tranquille. Mais si on va sur des tweeters type IFI euh, avec justement du triamplifié, basses, médium et aigu, et eh ben il faut vraiment équilibrer le tout exactement de la même manière. Donc je préférerais même pour les basses les équilibrer au maximum, comme ça on est euh, vraiment bon au niveau du son. Parce que malgré tout, même sur les médiums, on va le ressentir un petit peu. Voilà. Donc on va écouter un petit peu de son. Vite fait, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors... On va commencer par Vivaldi. Hop. Donc Vivaldi. Alors les fichiers c'est du FLAC. Voilà, je vais essayer de faire le focus sur l'écran. Donc les fichiers c'est du FLAC. Alors autant dire qu'au niveau de la qualité sonore on est bon. Et ça c'était ça directement euh, récupéré d'un CD euh, réel. Hein, vraiment d'un CD. C'était celui de mes parents à l'époque. Euh, du CD justement de Vivaldi, d'Antonio une Vivaldi qui a été réinterprété en 80 et quelques. Et, euh, ça, et ça, c'est justement, je l'ai mis dans l'ordinateur et ça m'a permis d'avoir, justement, de la bonne musique euh, et pouvoir tester un petit peu les enceintes, quel qu'en soit, quel que, quel qu en soit le type, bien sûr. Et en même temps, vu que j'aime bien euh, Vivaldi, c'est ce qui m'a fait un petit peu planer pendant mon enfance, quand j'étais gamin et tout, et ben voilà, ça m'a permis de retrouver un petit peu le C. Donc là, voilà, on va partir sur l'Adagio de Vivaldi, voir un petit peu ce qu'il en est. Donc pour ça, je vais monter le son un petit peu, qu'on entende à 30, c'est pas mal Voilà, là on se laisse bercer tranquillement par la musique. Donc là on est au quart du son, hein, donc c'est très très fort déjà. Même si ça t'entend pas, je peux vous dire que ça est très fort. Voilà, donc euh, là c'est passé. Alors, il euh, y a juste une chose que je voulais dire il n'y a aucun lien euh, avec Logitech ou quoi que ce soit, de toute façon. Et puis, de toute façon, depuis 5 ans que je les ai, il serait peut-être temps que j'y pense. <laughs> voilà, donc il euh, n'y a pas de partenariat ni rien, donc c'est vraiment pour en parler parce que j'aime bien les enceintes. Voilà, donc pour en venir à la musique qu'on a entendue, euh, bah, déjà ça calme. <laughs> voilà, et c'est surtout que c'est vraiment très net. On entend vraiment tout le, le violon et tout, comme, euh, comme il dit, fait et tout. C'est vraiment sympa, sympa à écouter. Euh, voilà, mais de toute façon, je vais y revenir euh, pour faire en gros, le, en global, euh, les, le son et tout. Enfin, revenir le, dessus pour dire ce que j'en pense. Voilà, donc là, on va passer sur autre chose. Alors, on part sur l'MMS. C'est euh, un son que j'étais en train de faire. Et ça va permettre de voir un petit peu ce qu'il en est sur les enceintes. Et on va voir un petit peu avec les basses. Voilà, pardon. Ce que ça va donner si on les entend bien ou pas. Et après, on va passer sur autre chose un peu plus hard. Donc de la hard tech. Et en même temps, ça permettra de voir un petit peu euh, ce qu'il en est pour les enceintes, euh, encore une fois. Voilà, éduquer son basse. Parce que là, justement, c'est pour le faire parler un petit peu. Parce que le coco, il n'est pas trop parlé. Euh, bon, je l'ai entendu un petit peu tout à l'heure euh, sur la musique classique. Je ne pense pas qu'on l'entende vu que c'est pris du téléphone. Mais malgré tout, euh, voilà, ça permettra un petit peu de voir un petit... la qualité. Allez, c'est parti. Euh, juste une chose, là on est en pure qualité, on peut pas faire mieux, vu que c'est tiré directement du logiciel. Donc là, on est carrément en qualité studio. On peut pas faire mieux. C'est parti. Voilà, donc ça c'était euh, une partie comme ça euh, pour montrer ce que ça vaut justement avec cette partie-là qui est, euh, on va dire, euh, directement très très haute qualité. Hein. Ça, 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 ça c'est sûr. Voilà, donc là on peut voir, hein, c'est le logiciel le LMMS, hein, j'en ai déjà parlé et j'en ai déjà fait des, des vidéos entre guillemets là-dessus pour vous montrer euh, des petites choses là-dessus. Alors, au calme, ça c'est pas mal aussi pour ça. Là. Hop. Euh, alors là je vais vous mettre ça ça va être justement pour un petit peu avec des basses de hardtech ce que ça va faire donc là ça va déboîter un petit peu je pense que je vais vibrer de mon côté donc là on est sur du 200 bpm avec de grosses basses de hard tech. donc ça va changer un petit peu de ce que l'on vient d'entendre et surtout de la musique classique là ça c'est et juste après ça justement on va pouvoir... je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense des enceintes et euh... voilà c'est parti je vous laisse écouter

Plus parce que bon, je pense qu'à mon avis, les voisins vont peut-être pas trop aimer. Enfin, voilà, alors maintenant ça va être temps de dire un petit peu ce que j'en pense. Je vais même baisser l'ordinateur. Voilà, alors là je suis à 10%, c'est euh, 10 et 14, c'est généralement la force à laquelle j'écoute ma musique. Et puis là, euh, bon, on va dire qu'on est quand même sur euh, une force assez importante à 50%. Donc je vais allumer la lumière parce que là, force ne voit plus rien. J'avais pas vu ça. Ah, ça lui met alors on voit il y a les ondes Mais ça permet quand même de, de mieux voir quand même les enceintes c'est ce qu'il y a d'important dans tout ça alors je vais dire ce que j'en pense euh, des enceintes voilà et euh, alors d'un côté audiophile et d'un côté euh, après plus personnel alors côté audiophile bon je pense pas qu'il y ait trop trop de soucis mais à part quand même qu'il y a des basses assez profondes et très importantes alors euh, évidemment ils vont pas trouver ça au top du top ça c'est évident hein, un vrai audiophile va passer plus sur des enceintes des vraies enceintes euh, hi-fi et non sur des petites enceintes comme ça mais malgré tout euh, je pense que pour une personne euh, audiophile il va quand même entendre toutes les fréquences sans aucun souci que ce soit les aigus euh, les médiums les graves euh, voilà après euh, je pense qu'il va euh, il, il va trouver peut-être un manque de, de clarté entre guillemets des des aigus peut-être est-ce qu'elles seront assez définies ou pas, je suis pas sûr que ce soit assez défini au point justement de faire vibrer à fond euh, la personne audiophile, sachant que les basses sont très très présentes et qu'il faut vraiment euh, ajuster le tout. C'est pour ça justement que j'ai mis un equaliseur, hein, malgré tout, euh, parce que justement on a ce truc là, les basses qui sont extrêmement présentes. Voilà. Euh, donc là dessus il faut le prendre en compte et peut-être l'audiophile, il va peut-être un petit peu titiller là-dessus, euh, entre guillemets, si euh, vraiment recherche un son euh, d'une extrême qualité. Voilà, mais au contraire, euh, mais malgré tout, il, 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 il dirait quand même, je pense que le son il est quand même très net pour des enceintes d'ordinateur et ça devrait être euh, largement correct pour écouter de la musique quand même de qualité. On en a écouté tout à l'heure et tout. Donc voilà, je pense que là-dessus, euh, c'est ça doit être l'avis de la personne qui sera audiophile. Je pense que voilà, ça manquera peut-être un petit peu de précision dans les aigus et dans les médiums, sûrement. Euh, sans que, sans pour autant que ce soit dégueulasse euh, au, au niveau du son, justement. Voilà, alors après, euh, mon avis personnel, donc moi évidemment, de mon côté, ça me va très bien au niveau du son, ça y est, pas de souci. Alors sur la musique classique, on a écouté juste avant, euh, je peux vous dire que le Vivaldi, euh, bah, on le ressent vraiment, euh, ça y a pas de souci, même on vibre entre guillemets avec lui, on a des sensations justement que veut faire transmettre l'auteur de la musique donc Antonio Vivaldi et euh, on, on sent en fait tout euh, c'est à dire que la personne qui va frotter la corde sur le violon euh, qui va prendre entre guillemets la respiration pour justement frotter son archet et tout et eh ben on, on, on va être avec eux entre guillemets quand on va entendre ça donc là je vais monter quand même le son pas mal et on se rend vraiment compte de la qualité du son que ça peut apporter pour nous en tant que nomades. On va être vraiment euh, emporté dans la chose, ça n'y a pas de souci là-dessus, et euh, on va être vraiment euh, content d'avoir un tel son euh, que ce soit pour le côté du classique ou autre chose, mais là on pourrait être sur le classique et les personnes qui adorent le classique, je pense qu'ils vont redécouvrir cette musique-là malgré tout euh, grâce à, au son qui qu emporte, il emporte vraiment, c'est voilà. Quand on écoute là-dessus à la force que j'ai mis, c'est vraiment pour ressentir les choses. Plus pour les ressentir que pour l'écoute, euh, vraiment de l'écoute euh, calme et tout. C'est vraiment pour ressentir le tout et on, le ressent, on ressent tout, on, on sent tous les instruments, euh, la vitesse, la précision des gestes et tout. On, on va le deviner grâce au son et en plus de ça, on va le ressentir en nous euh, parce que le, le caisson de basse on va pas l'entendre mais malgré tout il a quand même fonctionné et euh, sur certaines parties, au moment où justement où ils accélèrent euh, dans certaines partitions de, de la musique qu'on a entendu tout à l'heure de Vivaldi, on va ressentir les accélérations parce qu'il y a un petit coup entre guillemets, de basse très très 5 mais qu'on va ressentir malgré tout, même si c'est très discret et c'est là que ça, ça nous prend justement au, au trip et tout et c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie euh, musique d'écoute, vraiment de la bonne musique et tout. Si on en revient sur euh, la partie plus euh, techno et tout, donc justement, le caisson de base, bah, il va parler. Je pense que vous avez pu l'entendre, même si c'était fait et pris avec un téléphone portable. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas eu de souci là-dessus, qu'on a bien entendu euh, le tout. Voilà. Alors ça en voit, hein, ça, ça on voit, on sent, il y a du souffle dans le caisson et tout. Et euh, on va vraiment être transporté euh, par la musique, euh, que ce soit du rap ou du hip-hop ou, 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 ou de la techno. Ça, il n'y a pas de souci. Quand on écoute du métal, j'en ai pas mis, mais c'est pareil. On va vraiment avoir euh, une bonne sensation derrière. Donc, quand je dis du métal, du death metal et tout ce qui est, tout ce qui est justement voix du pâté, euh, ça va vraiment, vraiment prendre au trip aussi. Ça n'y a pas de souci. J'ai essayé hein, de toute façon. Euh, je peux vous en parler. Ça prend au trip. C'est impressionnant, justement, à, euh, à quelle force ça peut, ça peut prendre aussi. Voilà. Parce qu'il y a quand même des bases qui sont présentes hein, dans le métal et tout. Ça n'y a pas de souci. Avec la batterie, les, les caisses claires, les grosses caisses et tout. On va les entendre, on va les sentir dans le caisson et tout, ça va passer. Et je peux vous dire que là, ça va, ça va tabasser ces comme on dit, et ça nous prend vraiment au trip. Euh, pour ce qui est de la dernière musique, c'est plus du, de l'art tech et tout. Bon, évidemment, ben, ça tabasse, ça y a pas de soucis. Hein. <laughs> on, on peut faire confiance là-dessus. Euh, de ce côté-là, c'est impeccable. Voilà. Donc, moi, pour moi, ce que j'en pense, euh, c'est vraiment des très très bonnes enceintes, et même pour le prix. Alors, je crois que c'est vendu encore à 199 euros sur le site de Logitech et 160 dans les magasins. Ça n'a pas changé depuis que, que je les ai achetés à l'époque. Euh, mais euh, bon, malgré tout, ça les vaut, je pense, par rapport au, à la qualité du son que l'on a et tout. Euh, pour les films, j'en ai pas parlé, mais pour les films, je peux vous dire que ça fonctionne tout pareil. Vous mettez sur le canapé, vous réglez les, les graphes quand même un petit mieux euh, et vous envoyez le film. Je peux vous dire que là, vous allez euh, être content, entre guillemets. Du son que ça va donner. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait aussi. Euh, dans tous les cas, parce que je regarde des films, hein, comme tout le monde. Et euh, je peux vous dire que ça y va. Il y a même une fois, j'étais en train de regarder, euh, pour la petite anecdote, des informations sur la télé, comme ça passait par les enceintes. Il euh, y a des moments, j'entendais du vent. Et il se trouve que j'ai cru qu'il y avait du vent qui arrivait. Et qui était très fort. Alors je regardais ma fenêtre et il euh, n'y avait rien qui bougeait. Euh, mon pote, enfin les les bacs à fleurs et tout, ça bougeait pas dedans. Et en fait, c'était le son que l'on entendait des micros dans le journal. Et j'entendais, j'avais l'impression justement que ça soufflait fort dehors. Mais ce n'était pas le cas. Donc ça, ça ça donne une petite idée, entre guillemets, de l'immersion que l'on peut avoir grâce à ça. Pour les films, pour euh, d'autres choses aussi. Ça savez, c'est moins fait pour regarder le journal, mais je peux vous dire que, malgré tout, euh, j'ai senti passer le journal. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'aime bien, je trouve que c'est des très bonnes enceintes. Pour le prix, euh, on, on en a pour notre argent sans aucun souci. Euh, comme j'ai dit, ça fait cinq ans que je les ai, ça marche toujours aussi bien. Alors au début, il y a un petit temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'on les a neuf, il faut le temps que les membranes se fassent pour justement avoir le son que l'on a là. Donc euh, à peu près une semaine pour que tout se mette correctement en place. Donc en utilisation quotidienne, bien sûr. Et après, c'est bon, on a le son euh, plus que correct. Voilà. Alors. Euh, je pense que c'est bon pour euh, ça. Normalement, j'ai à peu près tout dit. Euh, j'ai dit ce que j'en pensais et tout. Donc voilà. Euh, on se retrouve à pour une prochaine vidéo. Je vais vous faire un petit peu le bilan global de tout ce que j'ai dit. Donc les enceintes euh, vraiment donc euh, très grosse puissance. C'est 200 watts RMS. Euh, 128 décibels au maximum quand on est au maximum de la puissance. Donc euh, tout à fond, les basses à fond et tout. Donc autant dire que c'est euh, L'équivalent d'un avion qui décolle pas très très loin de vous, hein, à 200 mètres à peu près, vous avez une, la même équivalence au niveau sonore. Donc autant dire que vous ne tenez pas dans la salle. C'est beaucoup plus fort qu'une salle de discothèque qui eux sont limités entre 105 et 110 BPM euh, décibels, je veux dire. Euh, là on est en 128 euh, décibels. C'est énorme. On ne tient pas dans la salle sans aucun. Ça c'est impossible. Voilà. Si on met tout à fond dans notre dans notre chambre, dans notre salle, euh, voilà c'est impossible de tenir. Donc à prendre en compte aussi. On met jamais à fond sans euh, se protéger. Voilà, donc ça, euh, ce que je disais, voilà, des très bonnes enceintes, euh, tout est bien défini au niveau du son, médium, euh, basse et puis aiguë, ça y a pas de souci là-dessus. Donc, les basses sont très présentes, on peut tout écouter en musique, ça y a pas de souci, que ce soit des classiques comme la musique actuelle, que l'on entend avec des bonnes basses et tout, ça va bien passer, ça justement, ça fera très bien l'affaire, et c'est pour ça que j'adore les enceintes, et pour la. Pour les audiophiles, euh, évidemment, ça sera pas non plus des enceintes du siècle. Pour eux, ça, évidemment, c'est normal. Voilà. Ce euh, sera vraiment des enceintes euh, d'appoint qui feront un bon son, mais qui ne casseront pas non plus euh, trois pattes un canard, entre guillemets. Et ils préféreront à mon avis leur matériel à eux sans aucun souci. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Euh, J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné, euh, entre guillemets, euh, des idées euh, au niveau du... Du, du matériel et tout, voilà. Si, si vous voulez l'acheter plus tard ou pas, enfin vous verrez. Il y a une autre version chez Logitech qui est en 5.1, voilà, c'est vraiment plus complet, c'est plus pour le cinéma, certifié THX, mais c'est beaucoup plus cher, on est, on est sur du 300 voire 400 euros, je crois. Euh, mais là, sur le 2.1, là pour l'ordinateur, je peux vous dire que il euh, n'y a pas de souci, ça fait très bien l'affaire et même pour faire de la production musicale, euh, moi je vois pas trop de soucis. Euh, et même je mixe avec de temps en temps. Voilà, j'ai des, des petites patines qui sont sur la gauche que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont là. Euh, alors, il n'y a pas de souci, ça, ça, ça fait très bien euh, le travail. Voilà, on se retrouve à pour une prochaine vidéo de test logiciel et tout. Euh, et voilà, allez, à bientôt, portez-vous bien et puis profitez de ce long week-end. Salut!